Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie. Et aujourd'hui donc nous nous retrouvons sur Fiscal Combat. Alors honnêtement, je vais faire un titre putaclic, une vignette putaclic, tout le bordel. Mais clairement c'est vraiment pour le délire parce que ce jeu, si vous n'êtes pas au courant, c'est le jeu qui a été créé par la France Insoumise, par Jean-Luc Mélenchon. Alors attendez, je vais juste voir si je peux... Non, pas là. Dans les options, non, il n'y a pas d'option pour réduire le son. Ok, très bien, ça commence très bien. On va tester le jeu. Je ferai certainement des coups parce que j'ai compris, c'est un jeu assez difficile, mine de rien. Et en fait, c'est un beat'em up comme on peut en voir des centaines sur Internet. Mais voilà. Alors le but, c'est de... on va incarner Jean-Luc Mélenchon. Attendez une seconde. Voilà, excusez-moi. Donc, on va incarner Jean-Luc Mélenchon. Et on va, alors, se battre contre des oligarques. Alors, j'ai vu la vidéo qui était sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon sur le jeu. J'en peux plus. Déjà, j'en peux plus. J'ai même pas lancé le jeu, j'en peux déjà plus. Donc, c'est une vidéo qui va vraiment... être très différente de ce que je fais habituellement parce que ça va vraiment être une vidéo délire, on va pas se prendre au sérieux, mais je vais quand même essayer de juger le jeu comme n'importe quel jeu, ok, d'accord. Donc déjà je vois rien que l'écran titre, bon la musique a l'air sympa, donc ça, le graphisme a l'air sympa aussi, ça fait un peu penser à du 16 bits, on va voir un petit peu ce que ça donne. D'accord, donc on a Jean-Luc Mélenchon. Ah, les mecs, rentrez chez vous, ok. Oh, ok, d'accord, bon. Ok. Je fais le coup. C'est pas compliqué. Oula, d'accord, ok. Ok, donc je chope en allant vers la personne et là, attendez, j'essaie de me libérer le plus vite possible. Donc Jérôme, c'est Jérôme Cahuzac. Oh non, putain. Où allez-vous comme ça? Je vais prendre l'air en Suisse. Ne prenez pas cet air arrogant. Vous devriez vous réjouir de payer vos impôts en France. Laissez-moi tranquille Mélenchon. Et je vous le dis droit dans les yeux, vous êtes un homme seul. Détrompez-vous, vous avez des millions, mais nous sommes des millions. Jérôme l'intouchable. C'est n'importe quoi. Alors, j'ai vu que j'avais un ulti. J'avais vraiment fait une partie très rapide, mais j'ai pas bien compris le principe, mais là ça va mieux. C'est moi, oui. Oh purée. Alors, autre chose dans le jeu, comment, le peu que j'ai vu du jeu, c'est ça. C'est que on... il n'y a pas de continue, c'est vraiment un one shot quoi, on n'a pas de continue, on n'a pas de... Bon, on va essayer de retourner jusqu'à Jérôme Cahuzac. Ok. Allez. Ok, ça on l'a vu. J'essaie de récupérer un peu de...
Non, il se transforme en Saiyan. Oh purée. Monsieur Mélenchon, c'est... Non, non, c'est pas qui je pense. C'est pas Christine Lagarde. C'est pas elle. Faire pitié. Monsieur Mélenchon, suivez nos recommandations, votre programme est inapplicable. Nos experts sont catégoriques, il n'est pas chiffré. Mais madame, mon chiffrage est en ligne. Quant à vos experts, nous en trouverons d'autres qui coûteront bien moins cher. Si, c'est elle. Les pieds dans le... Les pieds dans le tapis. Sans référence à la carte tapis. Oh mon dieu. Je débarrasse d'un maximum de... Je sais pas qui est la première personne par contre. La toute première personne, le tout premier ami du jeu, je sais pas qui c'est. Oh mon dieu, ce jeu. Alors voilà, est-ce que j'ai compris, une fois arrivé au bout, pour revenir. Donc, est-ce que j'ai compris, pour continuer le jeu, une fois qu'on est arrivé au bout, il faut revenir au milieu du niveau. C'est ce que j'ai compris pour pouvoir passer le niveau. Ça, on me l'avait vaguement spoilé. Niveau 6. Attendez, j'ai pas vu. On augmente en niveau ? Oui, d'accord, il y a un système de leveling apparemment. Bon, ça on l'avait vu. Donc on va essayer de passer le niveau quand même. Ok, donc je suis niveau 4. Ok, ça on l'avait vu aussi. Donc les pieds dans le tapis, c'est en référence à l'affaire Tapia. Ça demande des réflexes quand même. Mine de rien, le jeu il est pas si mal pensé que ça. Alors, ouais, j'ai plus d'ennemis, normalement,
Ah si, il m'en reste un. Ok, en fait, c'est quand on a battu tous les ennemis du niveau, apparemment. Bon. Il semble qu'ils soient tous partis voir le programme en ligne. Ouais, enfin, la vérité, c'est que t'as cassé la gueule à tout le monde, quoi. Oh non! Non! Ah, cette caricature! Bon, et les textes qui bug, je suis désolé. Double ration. Sans référence à double ration, je suppose. Bon, je trouve un minimum. Mais... clairement, mon objectif, c'est de... comment? C'est de m'en sortir en vie, hein. Donc... j'ai l'impression que ça va augmenter le rythme quand même. La musique est très cool. Alors, qui sera le prochain? Parfois je prends des coups mais sans aucune raison. Ah le nucléaire, évidemment. Quelqu'un va en sortir. C'est obligé, il y en a un qui va en sortir. C'est qui ça? Oh, Macron. Oh non, le pire. Cher Jean-Luc Mélenchon, on se met en marche. Il y a alerte et vous ne faites rien. Tout vous indiffère, vous êtes un irresponsable. Ce n'est pas ce que... hein? Ce n'est pas ce que présent mes généreux donateurs. Alors, à mon avis, il y a une erreur. Il y a une erreur, c'est ce n'est pas ce que prétendent mes généreux donateurs. Là, il y a une erreur, les mecs. Ah non, ce que pensent. Ok, oui, ce que pensent mes généraux donateurs. Ok, j'ai un dit. À présent, je vais vous donner une leçon. Flexibilité. Oh, et la typo, les mecs, vous auriez pu choisir une typo un peu mieux quand même. D'accord, je voyais un A, en fait, non, c'est un F et un L. Ok, à présent, je vais vous donner une leçon de flexibilité. C'est ce que nous allons voir. Visuel, hein, prose. Objectivement, pas bien compris. La typo est dégueulasse. Ok, je suis au bout. La vie. Ah zut, excusez-moi. Ah, j'ai le... j'ai mon téléphone qui sonne, attendez. La vie. Oui. Eh, mine de rien, le jeu est prenant. Voilà pour le candidat de la France, et maintenant, à nous deux, François. Oh, c'est François... à sa blessure Sartre. L'hologramme. Oh non. L'hologramme contre François Fillon. Rendez l'argent. François, l'irréprochable. Je sais pas ce que c'était, mais...
la vache. Et le niveau. Le niveau est énormément. Énormément augmenté quand même. Donc, si il sent, on verra bien. Pour le moment j'essaie vraiment de survivre, alors je prends un peu du pognon, je très peu. Ça va peut-être secouer un peu plus quand même. Zut, 63 000. Non, alors sérieusement, on peut pas reprendre au niveau où on a perdu, honnêtement. Une putain de sauvegarde, un putain de checkpoint, ça aurait été génial. Alors, à ce que j'ai compris, ça c'est un objectif commun hein, à tous les joueurs. Mais ouais, là si je reprends au début. Bon écoutez, petite coupure, on va essayer de terminer le jeu, on va essayer d'aller à fond, au fond des choses. Donc on se revoit quand j'aurai atteint François Fillon. C'est n'importe quoi. C'est débile. C'est complètement débile. Ok, donc on est reparti. On reprend là où on s'était quitté. Je suis en mauvaise posture, mais je pense que j'ai gagné plus qu'à la première partie au niveau pognon. Faut juste que j'aille plus vite. Irréprochable. Bon voilà, je vais faire de la visite. Alors honnêtement voilà, je m'occupe pas de secouer. Vraiment c'est vraiment comme ça que je joue. C'est voilà, j'envoie passer tout le monde. Vraiment ça prend pas de risque à essayer de choper du pognon. Ok d'accord. Ok, c'est la première fois que j'ai ce bonus. Je pense que j'ai également une petite en fait difficulté. Voilà. Bon, je commence vraiment à gérer le truc. Et mine de rien, je gagne pas mal de pognon quand même. C'est quoi ça? Je suis ralenti. Attendez. Vous avez mis un bonus rouge qui m'accélère. Ah non, je suis en bullet time. Ok, d'accord. Oh non. Non, 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 pas lui. Ah non, pas lui. Non. Balkany. Je l'ai reconnu tout de suite. C'est... Alors, Balkany, c'est comment son prénom? Pierre? Non, c'est pas Jean-Pierre Calbe. C'est Balkany. Je sais plus son prénom. Alors, Mélenchon, il n'est pas trop tard pour accepter un poste à Levallois. Évidemment, c'est le maire de Levallois, Perret, mais il est aussi connu pour avoir pas mal de casseroles. Hein, voilà. À 65 ans, je ne fais plus carrière. Pourquoi nous causer tant de problèmes? Le problème, c'est celui de ceux qui se gavent. Sans référence à un remix. Alors, je sais pas si... Là, je sais pas si je pourrais vous le mettre en encart ou un truc comme ça. Mais c'est... Il y a... Comment... Ça a été un des slogans de sa... D'un de ses discours et ça a été repris en remix politique sur la chaîne de... Ça commence par un K, son nom. Je vous le mettrai au pire, voilà, en annotation. Faut que j'y pense. En annotation avec un petit extrait.
Mais voilà, c'est une référence, elle est géniale. Et il me semble que c'est celle-là que Jean-Luc Mélenchon avait justement commenté, et réellement commenté, en disant très beau remix. Ben voilà, honnêtement, Jean-Luc Mélenchon, il sait jouer la carte d'Internet, contrairement aux autres. Ce qui en fait un candidat aussi dangereux. Hein. Ben, bon, je veux pas vraiment parler politique, on est là vraiment pour s'éclater, mais sur Internet, oui, il y a eu cette histoire. Patrick, c'est ça, le bon truand. Le bon truand, c'est génial. En fait, c'est là que je devrais utiliser mes outils, c'est contre, contre les boss. Ah putain, Patrick. Le pire. Puis j'y suis passé, le Valois Perret, il y a un an. Mais vraiment, je sais pas si je vais te parler. C'est une belle ville, mine de rien, le Valois-Perret. Enfin, périphérie de Paris, comme ça, c'est sympa. Comme village. Oh mon dieu. Bon, c'est par contre un peu répétitif. Et pour le moment, je m'en tire pas mal. Je suis content. Oula, j'ai pris une grosse tatane. J'adore les combos. Je suis monté hors caméra là, alors que j'essayais de refaire la partie contre Fignon. J'ai atteint les 160 de combos. Oula, par contre, parfois, le jeu se pixelise, c'est dégueulasse. Le premier personnage, c'est pas Malek Bouti. Ouais, je vois au ralenti quand je chope le nom qui est affiché. Là, Smith. L'agent Smith. On est dans Matrix. Remarque un peu ça. Hein. Et je suis full life. Je suis full life pour pouvoir passer le niveau, je pense. À moins que ce niveau ne soit infini. Alors, à ce que j'ai compris, quand ce truc-là est au sol, il ne faut pas qu'un ennemi s'en approche. Sinon après il devient radioactif et il peut faire plus de dégâts. Oh, Pierre Gattaz. Oh non. Oh non, Pierre Gattaz. Et je l'ai reconnu tout de suite. Et alors vous sortez sans votre pince. Laissez-nous gagner l'élection, monsieur Mélenchon. Nous devons libérer l'entreprise. Nous n'écoutons plus les bonimenteurs. Il est grand temps qu'on tourne la page. Pareil, nous n'écoutez plus les bonimenteurs. C'était un autre mix de Jean-Luc Mélenchon. Non, c'était le même. C'était dans le même. Bah écoutez, je vous mets le lien. 1 million d'emplois. Ouais. Dans notre cul, 1 million d'emplois pour le moment, hein. Ah bon, bref. Et comment
Ah oui, c'est une référence à 1 million de dollars, le western. Je me concentre beaucoup sur le jeu, je parle pas des maths, mais je m'éclate, honnêtement, j'avoue que je m'éclate du jeu. Il est fun. Bon, peut-être un peu plus de random sur les bonus quand même, un peu plus de bonus, ça serait... Pour rendre vraiment le jeu encore plus fun, ça serait génial. Genre les bullet time et les accélérés, un peu plus de probabilité de les avoir, c'est cool. Et de la vie quasiment systématique pour vraiment être sûr de finir le jeu. Ben voilà, la difficulté, ou même changer le niveau de difficulté, ça pourrait juste être génial. Vous voyez là, j'ai un François Pignon qui est passé sur le site interactif, les résultats, ça l'a transformé. Oh, j'enchaîne les combos. Ah, une katane. Il y a deux personnages vraiment limite l'un sur l'autre, comme vous pouvez le dire. Bon, faut que je pense prochain personnage qu'on rencontre. À l'occasion, c'est là que ça rapporte vraiment un masque de bonus. Hey, pour le moment, je gère pas mal. Tatane. Bon, par contre, je suis en train de défoncer mes touches directionnelles, mais... Non mais il est infini ce niveau en fait. C'est la fin là, c'est la fin du jeu. Par là.
Ok, c'était juste très long. Ouh, et faut une sacrée endurance. La lutte ne fait que commencer. C'est Bettencourt ça. Encore une fois, c'est Liliane Bettencourt. Elle le vaut bien. Ouais, c'est vrai que c'est la patronne de L'Oréal. Ah oui, j'avais dit que... Et oh, on va se calmer le jeu là. Ok, il est prêt. Écoutez, honnêtement, je pense qu'on va s'arrêter là. En fait, je suis agréablement surpris par le jeu. Clairement, ça demande du skill. Ah non, ça augmente. Attendez, ça c'est l'argent qu'on a cumulé tous les joueurs. Non, on a joué tant que ça les mecs. Putain, le jeu. Oh la vache. Oh la violence. Oh. Bon. Mais écoutez,
Bah, mine de rien, je vous recommande d'essayer le jeu. Il est marrant. Il est marrant. Au-delà de toute idée politique, il est fun. Il est très marrant. Alors, honnêtement, le graphisme est pas mal. Mais il y aurait moyen de rendre le jeu quand même plus fun, plus marrant. Parce que là, clairement, ça demande quand même du skill. Ça demande quand même de la difficulté. Un niveau facile où les bonus pleuvent et un niveau difficile où, là, où c'est la difficulté actuelle du jeu, à la limite. C'est ça qu'il faudrait. Alors après, je sais que c'est la communauté de la France Insoumise qui développe ça. Je sais pas s'ils ont mis ça sur un guide ou sur... sur quelque chose comme ça et que c'est un jeu open source. Apparemment ça n'est pas le cas parce que j'ai pas vu de lien vers GitHub ou un GitLab donc mais bon voilà puis auditivement ouais il est pas mal, graphiquement il est marrant, enfin c'est un 16 bits hein, comme on en voit des milliers. Mais bon, non, c'est cool. Par contre, ça me fait un peu penser à Master Sword Japan. Je crois que ça s'appelait comme ça. Un jeu de chez Fuji.net. Ça me fait un peu penser à ça. Mais bon, reprendre la lutte. Bon, écoutez, bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et c'était pas... À mon avis, vous n'aurez pas grand-chose à commenter sur ce jeu. C'est du nawak. C'est clairement du nawak. Alors, si, je vais revenir sur un truc quand même. Alors, un petit truc, parce que les gens ont tendance à oublier vite. Jean-Luc Mélenchon, il me semble que c'était en 2006, ou en 2008, je sais plus, avait dit que les jeux vidéo devaient être interdits parce qu'elles corrompaient la jeunesse. Et voilà que 2017, il nous sort un jeu vidéo. Voilà, c'est juste, voilà, je rafraîchis la mémoire des gens. Donc voilà, clairement, voilà. Bah sur ce, je vous dis à bientôt.